Bonjour, je suis Ayafo et aujourd'hui je vais me faire soigner. Alors, soigner mentalement, pas encore. Ça va pas tarder, mais on va voir un petit peu avec le centre médical de Nevet Tzedek, Hamerkaz Arefi Nevet Tzedek. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Tout ça, vous avez vu, c'est français et hébreu, c'est très pratique. Et nous, on va aujourd'hui chez Rofe Shinaim, le dentiste. Souhaitez-moi bonne chance. Shalom, אפשר לראות את הרופאה, בבקשה? כן. איפה היא? שלום. יש לי פגישה. כן. את יודעת? שלום. 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 בסדר. מה קורה? לא, בואי נפרסר. ליאה היא אבסולימון שרמנט כמתו, וסייל תיבאת חונות דנטיסט אוז'ורי. היא הרופאת שיניים. רופאת שיניים. רופאת שיניים. פעם רופא שיניים. רופאת שיניים. C'est bizarre un patient avec un micro, c'est bizarre, non? C'est bizarre, ouais. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Mais non, tout va bien se passer. Bon, j'imagine que... Alors, toi, depuis quand tu es dentiste? Ça fait 2 ans. Ah, imagine, tu sais, détartrage. Comment... Détartrage, c'est nicouille. Nicouille, ça veut dire le nettoyage. Nettoyage, avnit, comme la pierre. Ok, nicouille, avnit. Voilà. Si j'ai une carie, comment on dit une carie? Achéchette. Achéchette. Yashi Achéchette. Comment on dit un bridge? Gecher. Ah, Gecher comme un bridge? Comme un pont, voilà, exactement. Parce que c'est ça, un bridge, c'est un pont. C'est un pont. Voilà. D'accord, on comprend mieux en hébreu, tu vois. Un bridge. Comment on dit un implant? Shetel. Alors déjà, on peut commencer par la base. Comment on dit des dents? Shinaim. Shinaim au pluriel, shen au singulier. Une dent. Voilà. Comment on dit j'ai mal aux dents? Koavot li Hashinaim. Hashinaim. Okay. Ouais, attention, c'est féminin. Koavot li Hashinaim. Est-ce que tu peux me faire une scène? De quand tu reçois un patient, etc., comment tu lui dis, ouvre la bouche, tu peux faire un... Ok. Tu peux faire un, comment dire, une démo. Ania Métopal. Métopal top. Tu vas me dire si j'ai des dents pourries ou pas. Les gants, c'est crapote. Crapote. Voilà. Déjà là, c'est crapote. Déjà avec les gants là, je sens que ça va... Mais non. Ça va pisser le sang là, tu sais, je sens déjà... C'est libre, c'est l'instrument. Comme la vaisselle. C'est stérile. Tout est stérile. C'est naki. Ils sont contents tes clients, tes patients? Très contents. C'est des clients ou des patients? Des patients, on dit des patients. Parce qu'en France, c'est des clients, tu sais. Non, quand même pas. Bon, pour certains dentistes, oui. Ouvre la bouche. Voilà. Un miroir. P, c'est la bouche. Important. Oui, bien sûr. Gadol, Ken. Un bon patient, les amis. Yesh Baya. Il Yesh Baya. Gadol. Yesh Achéchet Gadol. Yesh Chor. C'est un trou. Bachem. Ken. Chor Gadol, Gadol. Ken. J'ai un trou dans la dent. Mais yesh ma yesh la sauté, mais chor kazé. À tête, ça arrive la SOT Tipoul. Tipoul Choresh. Ah, ça veut dire c'est un soin de racine, une dévitalisation. Choresh, ça je connais ça. Ça me connaît, c'est Choresh, racine. Et là, on a pour une fois que c'est pas seulement un pâte d'hébreu. À tête, ça arrive Tipoul Choresh. Et vrai c'est Nora ou c'est l'Onora? Donc, c'est Nora. Et vrai Anitzach la SOT Silou? Ken. Siloum, c'est la radio. Siloum, c'est la radio. C'est la photo. Ouais. C'est la photo. En hébreu, on ne dit pas radio. Radio, c'est la radio qu'on écoute. Là, c'est Siloum, c'est-à-dire c'est la radiographie. Je pourrais être dentiste. Hein. Comment on dit la sphère orobuccale en hébreu? Oula. P, la bouche. Pour ça dent, c'est Mivrechet Shenayim. Ah, Anitzach le Tzartzer Shenayim. Le Tzartzer Shenayim, Ken. Je dois me brosser les dents? Ken. Plus souvent? Le Frachot. Plus souvent. Vous coupez ça au montage, personne ne veut le savoir ça. Je voudrais que tu nous parles du système israélien, du système de santé israélien qui est complètement différent de la France. Complètement différent. On peut pas trop les avoir les Israéliens, on est d'accord. Ah, plus encadré. Que la France, encadré. Je prends 10 médicaments, 15, voilà, 20 médicaments, tout passe. Ici quand tu vas à la pharmacie, on te donne la dose nécessaire pour ton temps de traitement. C'est pas une boîte entière, si tu as besoin de 15 jours de traitement, on donne 15 médicaments. Donc du coup, il y a beaucoup moins de gaspillage. C'est moins économique pour le patient.
Alors, ça dépend parce que ici, si tu veux, tu as deux façons de consulter des médecins. C'est soit tu vas dans les caisses d'assurance maladie, donc les copatrolim, ou soit tu peux venir en privé. Et là, par contre, oui, effectivement, c'est plus cher pour le patient parce qu'il paye tout. Une mutuelle en Israël, c'est pas obligatoire. Non. Bon, pour les soins dentaires, c'est un peu particulier parce que c'est payant, quoi qu'il, même en copatrolim, mais c'est vraiment pas cher du tout. C'est moins cher en tout cas qu'en privé. Mais c'est payant. Après, pour tout ce qui est médecine générale ou d'autres spécialités, je crois que là, ils peuvent ne rien payer du tout, les patients. En copatrolim. Sinon, il faut consulter en privé. Et pour tout ce qui est acte chirurgical de santé esthétique. Chirurgie esthétique, tu veux dire? Non, chirurgie esthétique, mais dentaire, je veux dire. Ah, enfin, des facettes, des trucs, tout ça. Ça sert à rien. Ouais, non. Ça, c'est hyper cher, j'imagine. C'est cher, vaut mieux faire en privé. En copatrolim, ils font pas. T'as deux diplômes, t'as fait une équivalence? Exact, et oui, il fallait repasser une équivalence. Si on a moins de 5 ans d'expérience en France, en tant que dentiste, on est obligé de repasser une équivalence en Israël. Après 5 ans d'expérience, plus besoin de repasser. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Qu'il y a des choses peut-être que je t'ai pas imposées qui sont importantes quand on va chez le dentiste. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir dire La piqûre, peut-être? Ada Ardama. Ah, Mazrek, c'est la seringue. Ah, Mazrek. Mazrek, c'est la seringue. Mazrek, c'est la seringue. Stima, c'est l'obturation. C'est un peu le plombage. Une fois qu'on a une carie, à la fin, on rebouche avec un stima. Voilà. Alors, stima, c'est l'histome qui veut dire boucher. Boucher, voilà, c'est ça. Obturé, si tu veux. D'ailleurs, on dit stome est tapé. Ferme-la. C'est ça. C'est dingue. Le blanchiment, c'est Albana. Hein. Pas Albana. Ça vient de l'Albana. Pas Asbana. Non. Albana, c'est un autre verbe voilà. D'origine arabique. La gencive aussi, c'est important. Ah. Khani Chaim, on dit. Khani Chaim. Voilà, pour les gencives. Khani Chaim, les gencives. Les gencives. Khani Chaim. Halachon. La langue. La chaîne. Halachon. Pas de la chaîne arabe. La chaîne, la langue, ouais. Comment on dit des prothèses? Totelet. Ou shikum. Ou shikum, restaurer. Oui, les shakem, c'est-à-dire restaurer. Voilà, la restauration. Anitzarir shikum. Ah, une couronne. Lo. Ah, je sais comment on dit une couronne. C'est attends, deux secondes, Keter. Ouais, bravo. Ah, c'est exactement le même mot. Comme une couronne. De roi. Voilà. Keter. Eh ben, merci beaucoup. Et on te retrouve en chair et en os si on veut aller se faire traiter. Voilà. Allez-y au centre médical de Neve Tzedek. Ils ont l'air tous jeunes, dynamiques, sympas et souriants. Franchement, on ressort avec le sourire. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire BYU. Et un beau sourire.